Yo les gens, bonjour à tous les gars, je suis Narodak, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière, assez amusante je dois l'avouer. J'ai joué tout simplement en rookie l'autre jour parce que bah, vous savez le split de la saison avait été un petit peu décalé, donc j'ai joué en rookie histoire voilà, de m'amuser un petit peu et je suis tombé en fait sur un français et je me suis simplement fait passer pour un débutant au jeu, pour vraiment quelqu'un qui découvrait Apex Legends. Alors c'est assez drôle qu'il quand même qu'il ait pas cramé parce que bon il y avait quand même 2-3 trucs, enfin bref voilà vous verrez, j'en dis pas trop. Mais en tout cas voilà, la vidéo est quand même assez amusante, ça change un petit peu du contenu que j'ai l'habitude de faire. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis moi, sinon, je vous souhaite un excellent visionnage. Et puis si jamais, petit random, si tu passes par là, gros big up à toi. Des bisous. C'est quoi, je vais lui faire croire que... Je vais faire genre gros que je connais pas le jeu. Je vais faire croire que genre je connais pas du tout le jeu. Je crois qu'on est les seuls. Ah on dirait. Attends, tu sais quoi, je vais me mettre en open mic. C'est audio. Ah, je crois qu'il y a des tirs hein, là-bas. Seto station là-bas. Ok. Ouais, go essayer d'avancer. On est dans la zone donc ça va prendre. Ah, je crois que j'ai entendu du monde. Je suis pas sûr. Ah, ouais, j'entends, il y a du monde là. Ulti. Sur moi là, la flying, j'en ai un sur moi, Lilo, il est mort. Bien joué. J'en ai un autre sur moi, il est low. Ah, il est low. Ouais, casse-toi un peu, c'est une team qui arrive. Attends, je vais te voir. Recule. Je vais essayer de te raise, hein. Vas-y. Merci. Oh, je t'en prie. J'en ai mis un KO. Je raise, tu prends la ligne. Je vais juste mille. Ouais, vas-y. Lui, il y a un shop à l'endroit de raise. Ouais, je vais venir. C'est quoi ça, les shops? En gros, en fait, ça scanne toute la zone et ça récupère les items qui sont autour. Mais fais gaffe, tu vas en prendre que deux. À part les balles. Ah, ok. Ah bah heureusement que tu me le dis, parce que j'étais juste en train de prendre des balles. Ouais, j'ai vu comme tu prenais comme au bourrin. Checkpoint là-bas. Ah, il y a un vaisseau pour qu'il réanime là. Ouais, mais c'est... Ah, c'est juste là. Tu veux push? Bah, on peut essayer. Il y en a deux qui sont tombés. Ils ont leurs armes. Ouais. Je vais juste rester en haut de la tiro juste pour voir. Ah, je crois qu'ils sont peut-être en bas. Hein. Je confirme, ils sont en bas. Mec, j'avais presque crack. Ah, j'arrive. Je suis dans l'eau. Il se barre en fait. Ils ont pas pu tous se barrer ici? Ah, ils sont tous barrés? Si, ah, ouais, d'accord, ok. Dans l'eau, c'est un peu la merde. Ouais, c'est ce que t'as découvert.
Mort. Merci. Ah pétail, encore un autre gars. Il est crack. Ouais ouais, il y a une squad. Ah putain, j'ai pas pu. Ah putain, derrière nous. Ah ouais, j'en ai. Au bout d'un moment, là, je peux pas trop tout faire. Dommage. Bien joué. Tu veux qu'on joue? Ah, vas-y, si tu veux. Vas-y, bah attends, je vais t'inviter. Ouais, j'ai testé plusieurs légendes, mais j'aime bien. Là, Mad Maggie. Je connais même pas ça. Ouais, il est gratuit actuellement, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Genre, j'essaie un petit peu d'en jouer 2-3. Parce que j'ai vu que sinon, ouais, faut les payer, genre. Ouais, ouais, faut jouer pour débloquer des pièces. Ah, ok, ok. Wouah, l'Octane, il a fait. Apparemment, genre, le badge là avec les têtes de mort, c'est le badge le plus dur du jeu. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Je sais pas, genre celui qui a toutes les têtes de mort là, il est genre truc de 20 kills, je sais pas quoi là. Bah, j'ai un copain qui m'a dit que c'était vraiment un badge qui était difficile à avoir. A few moments later. Wesh, wesh, wesh. Hop. Ah, au revoir, ok, mec. Ok, my bad, merde. T'inquiète. Ouais, mais t'as fait un peu du bruit. J'étais en train de me demander ce que c'était. Et si je le prends à l'envers, je peux revenir. Ouais, tu reprends le canon. Ah ouais, ouais, c'est trop bien. C'est trop classe. Oh, c'est trop bien ça. Alors, hein, j'aurais bien aimé avoir un viseur. J'ai une CAR SMG. Ok. Et une Volt. C'est quoi, c'est la Volt? Ah, à gauche. De Lolo. Il est low. GG. Vas-y, je cover. Ah bah ouais, ouais, comme ça y'a pas, y'a personne qui arrive encore après. Trop fort. Y'a souvent du monde ici. Ouais. Ok, ok. Ouais, ici c'est un peu la merde. Ah mais en fait l'Octane c'était lui, c'était le champion. Bah en fait il était pas très fort en fait. Ah peut-être qu'il s'est fait carry hein. C'est possible. En vrai, vous voyez, j'adorais ce mec avec qui je jouais, mais vraiment, je me posais quand même 2-3 questions, parce que vous voyez, je me fais passer pour un nouveau joueur, je fais genre que je sais pas ce que c'est qu'un shop là-bas, je dis, bah toi, je teste un petit peu toutes les légendes, histoire de voir, voilà, par curiosité, un petit peu ce que ça fait, je fais genre que je connais pas les canons sur Stormpoint et tout ça, enfin bref, je fais vraiment genre que je suis vraiment un nouveau joueur qui découvre, et derrière, en fait, vous voyez comme là, dans les fights, les 3 mecs, vraiment, je les ai découpés, j'ai one clip l'Octane, la Maggie, je crois que c'était une Maggie, pareil, le reste, je l'ai foutu gigalo, genre vraiment, à quel moment est-ce qu'on croise un niveau 30 qui, no ego, mais à quel moment est-ce qu'on croise un niveau 30 qui est vraiment capable de faire des trucs comme ça, vraiment sans pression, je cale des swap shields en plein milieu du fight, ça me tue que le mec, il tilte pas, qu'il y ait quelque chose derrière, ça me fait trop rire. Ah ouais, c'est sûr, c'est pas ouf, hein, sans viseur. Hein. Sans viseur, c'est sûr, c'est pas dingue. Au final, la team qu'on jouait là a décidé au bout d'un moment de se casser, de prendre le canon, donc c'est pas super intéressant parce qu'on s'est tiré de loin et au final on a knock personne, ils sont enfuis, donc voilà, je vous propose directement un petit cut et puis on passe donc à la scène suivante. Ah, j'ai du monde, j'ai des gens en face de moi. Il est HP, mort. Il était tout seul? Ouais, il était tout seul, ouais. Il avait un truc en or. Oui. Oula. Non, je l'ai lâché, il y a des gens.
Bah, j'ai presque l'impression que c'est encore l'équipe de tout à l'heure. De toute façon, faut pas qu'on reste là parce que sinon on va mourir là si on reste en bas. Ah, j'ai un peu avancé. Bravo! Bah lui il avait une dévotion. Je l'ai pris parce que depuis tout à l'heure il tire avec là, ça a l'air d'être sympa. C'est pas une arme avec des balles limitées? Je sais pas, non j'ai des balles sur moi donc je pense pas, mais par contre ça a l'air vraiment d'être une batteuse vraiment de la mort. Hein. Ah j'ai un ballon, ça j'avais vu, ça permet de bouger. Bah de toute façon il faut qu'on aille dans la zone parce que sinon on va mourir. Eh ouais. Oh, j'ai pas vu pas très loin de moi, il y a du monde. J'ai ses ults. Il a plus de vie. Celle qui balance des fumigènes. Ah, j'essaie de faire ce que je peux. Oh, il a plus beaucoup de vie normalement. Il est là. Il a plus beaucoup de vie. Ici. Là, normalement, tu le tues. Hein. Voilà! Qu'il est fort! T'as un truc pour le réanimer, collègue. Nice. Par contre, il faut se dépêcher parce que sinon on va pas tenir. Je sais pas. Je sais pas si ça avance vite ou pas. Mais par contre, j'entends que les deux dernières équipes, elles se tapent à côté. Tu veux essayer de nous ramasser ? Bah, je pense parce que du coup, ça serait peut-être le mieux, non ? Je sais pas. Vas-y. Limite, allez-y sans moi. Moi, je peux me dépasser rapidement avec l'ado. Bah, en fait, ils sont tout là-bas. Ils sont ici. Là. Il vient de break. Voilà, bien joué. Ah voilà, petit top. Bah c'est mon tout premier top 1. J'ai jamais fait de top 1 avant, à chaque fois je mourrais top 3, tout ça. Donc quoi, pour une bonne équipe. C'est ça, ça fait tout. Bon, par la suite, j'ai mes collègues de la ping qui sont arrivés, donc bien évidemment, j'ai arrêté la solo queue et puis je suis simplement allé jouer avec eux. Donc j'ai remercié ce fameux random, bah voilà, pour les games. Je lui ai pas dit que je trollais et que bien évidemment, j'avais déjà un petit peu joué au jeu avant. Alors en tout cas, on s'est quitté en bon terme. Je lui ai dit voilà que je reviendrai à la limite et tout ça. Donc vraiment, des gars super sympas. Comme quoi, en solo queue, on peut toujours trouver des gens vraiment très amicaux et très aimables. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, vous pouvez liker, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, je vous dis bah, à très bientôt et puis ciao.